Salut à tous, ici Sormanes pour la suite de notre run sur Curious Expedition. Donc on arrive à la troisième expédition avec notre run du Charlie. Donc nous avons l'immense désert ou bien l'insolite terrarie. Donc on va continuer avec les terraries, les jungles, les choses comme ça, on va le spécialiser dans la chose. Alors évidemment on n'a pas tué Snarfrattle. Remettre la fourrure, on ne peut pas. Voilà, on a perdu de la renommée. Et donc on peut aller chercher son mari disparu, on ne sait même pas qui, c'est pas grave, nous sommes bien aimables. Alors on peut recruter ce petit personnage, mais non merci. Donc allez hop, alors on pourrait améliorer l'animal ou acheter de l'équipement. On va voir pour l'équipement, pour acheter par exemple plein de bouffe et une trousse de soins, voilà, deux trousses de soins même. Et de la bouffe. Alors pourquoi pas une autre carabine, hein, 80 la carabine, c'est un peu cher. On ne peut pas vendre l'équipement. Bien. Donc il nous reste 6. Voilà, hop. Ok, et on est parti donc pour cette troisième expédition en terre aride avec Charlie et sa troupe. Alors, en souhaitant avoir une carte un peu plus sympathique que la dernière fois, parce que si vous vous souvenez, on était coincé derrière une chaîne de montagnes d'entrée. Alors accédons à la soute. Hop, 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 ça on va garder, ça on peut garder éventuellement. Voilà, nous avons des lances. Alors les lances, on va les laisser là, on va les garder juste en cas de gros besoin de lances. Voilà, 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 voilà. Et voilà, on va garder ça pour troquer, hein, toujours. Allez, bah écoutez, c'est parti. Hop. Bien, et c'est parti par où? Alors vous voyez déjà la boussole en PLS. Ah mais visiblement on est en bas. Bien. On est parti par là, écoutez. Allons-y. Hop, explorons. Alors nous sommes arrivés à un rocher en surplomb. Il nous servirait d'abri rudimentaire contre les éléments naturels. On peut se reposer pour la nuit. Nous avons préparé un camp. Tout le monde a pu se reposer. Voilà, c'est magnifique. J'ai remarqué que Sam Baba me surveillait d'une manière étrange. J'ai décidé que nous en avions fait assez pour aujourd'hui. Voilà. Hop, hein, reposons-nous. Allez, là on est bien pour l'instant. Tout va bien. Pas de problème. Alors, nous nous sommes préparés pour le départ. C'était un site parfait pour camper. Bien, mais non, on va s'en aller nous. Alors, est-ce qu'on peut... on va aller par là, on voit qu'on pourra continuer a priori. Allez. Allez, en route. Bien. Hop. On va se mettre par là. Alors, c'est un marchand. On va pouvoir troquer, c'est superbe. Car on avait gardé, voilà, ces choses-là. Qu'est-ce que c'est? Une carte au trésor. Ouais, mais alors la carte au trésor, un pendule au trésor, ça peut-être un peu mieux. Bien, bien, bien. Allez, on va prendre le pendule. Ok, qu'est-ce qu'on peut troquer d'autre? Alors les dents, on va les garder pour les animaux chelous. Et puis voilà, non, c'est très bien comme ça, on va faire affaire. Bien, alors là nous avons un éléphant, on va pas commencer à braconner, on n'est pas là pour ça. Pas venu ici pour souffrir. Alors, hop. Voilà, nous avons trouvé un ancien camp, il y avait des vestiges de ce qui semblait être une expédition échouée depuis bien longtemps.
Les quelques restes humains étaient pourris depuis longtemps, j'ai enterré leurs restes. Alors, j'étais persuadé que nous trouverions... on va prendre le butin, on va trouver plein de bouffe, et qu'est-ce que c'est? Une fusée Coston. Donc voilà, alors ça c'est les fusées de détresse, a priori. Hop. Ah, ici il y a des choses. Ici il y a des choses, on va aller voir les choses. Voilà, parfait. Ici on va pouvoir se reposer. C'est une cascade, voilà. Reposons-nous, on a plein d'eau. Ah, qu'est-ce qui lui arrive à lui? Qu'est-ce qui lui arrive à lui? Pourquoi tu... Pourquoi tu clignotes? Pourquoi tu bouges? Pourquoi tu bouges? Voilà, bon, on a fini par se reposer. Alors j'ai cliqué sur le truc, mais c'était peut-être un peu tôt. On va recommencer. Alors notez, hein, je découvre le jeu, je ne sais pas ce qui va se passer. On va cliquer sur ce truc. Il ne se passe rien. Bien. Bon, on l'a enlevé, il arrête de bouger. Alors c'était peut-être un bug d'affichage ou quoi. Bien, bien, bien. Alors ici, on peut traverser. Non. Non. Un double misclic là. Bon, c'est pas grave, on sera très reposé. Ah, mais il a pris un point lui. On va quand même le promouvoir hein, malgré son racisme latent. Hop. Allez. Allez, allez. Tout à fait, on s'est bien planté de chemin. Oh. Oh. Allez, en route. Voilà pourquoi tu tremblais. Nous avons découvert un petit trésor. Alors on peut attaquer le... Mais on peut pas creuser. Si, on peut creuser avec la pelle. Après de nombreuses heures à creuser, nous avons découvert un artefact intéressant. On a perdu une pelle, mais on a gagné un cube métallique. Voilà, le Rubik's Cube antique. Allez, ben, tout prendre. Hein. On va aller voir ce petit point d'intérêt. Ah, nous sommes obligés de nous battre. Non. On a exploré le sanctuaire. Entrer dans le sanctuaire, examiner l'hôtel. Pillon le sanctuaire. Là, on ne réfléchit plus. Là, on prend tout ce qu'il y a. Oh, un petit volcan. Voilà qui va être intéressant. Allez, on va venir ici vite. Mince. On a été intercepté par une panthère. Voilà, elle croque beaucoup, hein. Attention. Attention, attention. Voilà, on va lui mettre... Non, on ne peut pas. Pas non plus, on va tout mettre. Non, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas non plus. Mais on peut lui mettre un tir rapide, dégâts à 4. On a bien fait de prendre la perque. Oh là là. La perque pour les armes, on pourrait l'observer peut-être. Voilà, protection. Est-ce qu'on peut gratouiller la panthère? Voilà, attaque multiple. Allez, la bestiole est étourdie. Tout à fait, mais alors là c'est un très beau lancer. Non, on peut rien faire. On peut rien faire, bah fin de tour. Elle est étourdie, elle nous a mis qu'une papate, ça va. On n'est pas trop mal. On n'est pas trop mal, sauf si rien. Voilà, il s'agit d'être efficace à un moment. Tir rapide, tir stable. Ok. On notera la main et les armes. Bim. Allez, là, il faut être efficace, les gars. Voilà, ça, c'est très bien. Coup de fusil. Bim, dégâts 5, attaque multiple. Non, on ne peut pas en rajouter. Voilà, on a désintégré la panthère complètement. Nous avons récupéré sur la dépouille ce que nous pouvions. Nous avons des dents. Et une fourrure de panthère. Voilà, bien, maintenant il s'agit... alors, on est, évidemment, tout à fait chargé. Tout à fait chargé. Est-ce qu'on pourrait retourner au bâton? On va aller dormir. Alors, est-ce qu'on pourrait manger un truc aussi? Parce que on a plein de bouffe. Et tu ne veux pas manger. Un emplacement d'objet en trop. Bien, 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 bien. Et on peut pas juste manger les trucs pour...
Pour virer l'emplacement. Bon, on va virer la peinture, tant pis. Voilà. Je voudrais manger, s'il vous plaît. On ne peut pas faire ça, bien. Allez, on va se reposer vite. Oh là là, attention. Alors, j'ai l'impression que cet arbre me regarde, tout à fait. Bon, ça va, on est un peu coincé, mais alors que nous partions, nous avons remarqué que notre feu de camp enflammait les buissons aux alentours. Bien. Alors, est-ce qu'on peut partir de là, s'il vous plaît? Au secours. Au secours. Bien, on va y aller. On va traverser les flammes. Moins 10 de santé mentale, moins un âne. Oh là là, quelle violence. Allez, c'est pas grave. C'est bon, on a réussi à passer. On a perdu un âne dans la ferme, mais... Voilà, c'est pas si grave. Bon, c'est un peu pénible, hein, pour le transport, quand même. Alors, tir rapide, tir d'arrêt, on aura plus un bouclier. Est-ce qu'on peut mettre d'autres? Non, ça ne fonctionne pas. Bien, allez hop. Prochain tour, on va mettre le tir. Ici, tir rapide. Ok, et là il faudrait, voilà, l'épée. Non, attaque précise, coup perforant, bim. Voilà, bon, on s'en sort bien sur les combats. Ok, mais alors maintenant... Voilà, nous allons manger. Récupérer... Non, on peut plus. Bien. On peut plus. Oh là là, mais c'est tellement galère, là. Ça, c'est tellement galère, on est tellement loin de tout. Bien, on va aller par là, hein, tant pis. Alors là, faut souhaiter que la grotte puisse peut-être nous amener quelque part à un endroit safe près du bateau, quoi. Alors, essayez de soulever l'arbre, tout à fait. Voilà, sauf que c'était lui qui était coincé sous l'arbre. Et donc, on a perdu un soldat écossais, voilà, assassiné par son racisme. Il était enraciné par un arbre. Alors, explorons la grotte. Alors maintenant, on se retrouve plus qu'à 3 avec plein d'objets. Et on a découvert plein de momies. Examinons les momies, prendre le butin, hop, on va tout prendre. Et on va manger. Non, on ne peut pas manger plus que ça. C'est bien compliqué quand même. C'est bien compliqué, alors a priori... Allez, on va avancer par là. On va continuer de manger, hein, ça va baisser le poids, sans doute. Alors, heureusement que ça coûte pas cher, ces choses-là. On ne peut pas manger plus. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, on va passer par là. Non, non. On vient ici. Alors ça, on peut pas le manger. Oh là là, c'est un sanctuaire. C'est un sanctuaire. Plaie infectée, tout à fait. Bon là, c'est la partie de la PLS, hein, attention. Et en plus de ça, on va en rajouter... Alors,
Un sanctuaire se dressait devant nous, il semblait aussi vieux que le monde lui-même. Pour atteindre son entrée, nous devions escalader la façade. La structure était légèrement inclinée, affaissée, mais le terrain semblait suffisamment stable pour tenter une exploration à l'intérieur. On peut utiliser la corde. Mais c'est parfait. Examinons l'hôtel et prenons toutes les choses. Voilà, rien ne se passe. Ok. Alors, on ne peut toujours pas manger ça. On ne peut toujours pas manger ça. Bon, on pourra le troquer peut-être. Ah, mais on peut boire ça. Voilà, superbe. Encore une gorgée. Alors là, la boussole a complètement pété un plomb. La boussole a complètement pété un plomb. Ah, si jamais c'était ça. Là, on y va, hein, c'est le... Oula. Oulala. Alors, abattre... non, on va refuser d'abattre notre... notre buffle. Mais alors, les volcans ne s'arrêtent plus. Ok, c'est une grotte. Explorons la grotte. Dans l'obscurité, pardon. Rien ne pourra nous arrêter, même pas l'obscurité. Hop. On a trouvé une source de lumière. Et on a trouvé, voilà, des restes. Décidément, on va tout prendre, hein, encore. On va tout prendre, bien, bien, bien. Mais alors, mais alors, par où on s'en va? Vous savez quoi? On va aller au bateau direct. Voilà, la folle traversée. On peut toujours pas manger. Voilà, au point où on en est, j'ai envie de dire, rentrons à la maison. Enfin, allons juste déposer des objets et puis... voilà, une trousse de premiers soins, c'est très bien. Ah, mais c'est vrai qu'on aurait pu faire ça, tout à fait. Alors, on va soigner Charlie. On va soigner Charlie. J'avais complètement oublié les trousses. Alors ici on peut aller dormir, ben voilà, c'est parfait. Maintenant que ça s'est arrêté un peu. Voilà, explorons. Hop, se reposer pour la nuit. Voilà, Baba est bipolaire désormais. Peur des arbres géants, plaies infectées. Allez, on va continuer de se reposer un petit peu. Et l'herbe repousse, hein, après tant de temps. Ok. Voilà, on est parti. Hop. Allez, c'est très loin. C'est très loin, mais c'est pas grave. La boussole est complètement... Au départ, elle nous indiquait hein, l'extrême nord. Voilà, tout à fait, la petite mobilette syndicale de l'épisode. Alors là, que se passe-t-il? Si nous abattions l'une de nos bêtes, non, monsieur James est... Monsieur James est indispensable à cette expédition. On ne peut pas se passer de lui. En réunion, il a toujours des idées brillantes. Oh, mais il y a un truc, là. Hop, hop, hop. Ah, vas-y, annule ça. Viens ici. Explorons le sanctuaire. Au point où on en est, hein. Allez, entrons dans le sanctuaire. Examinons l'hôtel. Prenons tout. On a un lama en or. Voilà, le béaba des poignées de main, c'est qu'il faut avoir des mains. Hop, on est reparti. Les pilleurs de l'extrême. Alors, une page nina et une fusée, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Alors ici, il y avait un point d'intérêt, mais alors, faudrait pas que ce soit la pyramide. Retourner au navire, bah voilà, ça y est. Accéder à la soute.
Ah, mais c'est-à-dire qu'on va peut-être manquer de place aussi. Bien. Bien, bien, bien. Ok, les dents. Bon, les dents, a priori, on n'aura pas de bestioles ici. La bouffe ne fait que nous encombrer. Les bijoux, voilà. Ah mais non, c'est... Ok. Bien, donc là on peut fermer. On est obligé de se trimballer avec trop de trucs. Reposons-nous pour la nuit. On va peut-être jeter des choses hein, quand même. Voilà, reposons-nous encore. C'est une expédition bien compliquée hein, celle-ci. On a perdu du monde, on est obligé de jeter des choses. Ici, peut-être, il y a notre pyramide. Ah, mais ici, il y a des trucs. Ici, il y a des trucs. Bien. Allez, retournez à l'expédition. Attaquer araignée géante. Ah oui, d'accord, c'était ça le problème. C'était ça le problème. Non, ben on va retourner au navire. Ça va être l'extrême fuite. Voilà, l'extrême fuite, accéder. Non, on va... voilà, cap vers la mère patrie. Eh bien, écoutez, voilà, on va abandonner l'expédition ici. Là, ça part en sucette partout. Il y a des araignées, il y a du feu. Et, voilà. Hop, on rentre à la maison. Charlie, hein, c'est l'explorateur de l'extrême, mais alors parfois il est un peu trop extrême. Regardez le désastre. La renommée pas terrible, expédition terminée. Comme j'aurais aimé être à votre place, eh bien écoute, vas-y, j'en prie. Il y a des araignées grosses comme le bateau. Alors, marché noir permet l'accès à un plus large choix d'équipement. Ensuite, imperméable, réduit le coût de déplacement dans les rivières peu profondes. Et récupération de munitions. Voilà, alors on va peut-être prendre ça. Il va falloir qu'on s'achète tout de même un pistolet ou une carabine. Oh là là, ça y est, ils nous mettent cher là. Bon, on est quand même mieux hein, qu'à la partie précédente, mais c'est pas encore ça. Alors, voilà, on va vendre ça. On va vendre. Ça, on va garder. Voilà, si on peut, hein, on se prendra une bestiole de compète. On va donner. Ok, là, on va vendre. Donner. En train de courir après la renommée, c'est grave. On vend tout ce qu'on peut. Allez. Alors on galère, hein, mais on s'en sort quand même pas si mal. Pour des gros galériens, on est plutôt bien. Bien, bah voilà, bah écoutez, je vous remercie d'avoir suivi cet épisode. On se retrouve tout bientôt pour le quatrième. Allez, ciao!